Hello mes petits potames, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Il neige, je suis hyper contente vraiment de commencer le vlog comme ça. Il est vraiment très tôt, là il est 7h, du coup on est vendredi 1er avril. Et il est vraiment très très tôt parce que deux matins par semaine, donc les mardis et les vendredis, je commence à 8h à la fac. Donc je suis obligée de me lever à 5h45 pour partir à 6h45. Et comme je vous avais dit dans le dernier vlog, j'ai une heure de trajet en fait entre mon domicile et la fac, donc c'est pour ça que je suis obligée de me lever aussitôt. La pluie et la neige étaient attendues fin de semaine parce que la semaine dernière on avait 20 degrés à peu près et là du coup les températures sont quand même bien redescendues. Bref, c'est pas tout, il faut aller à la fac. Au programme aujourd'hui, ce matin, j'ai un TD de 8h à 10h, c'est travaux d'études, du coup c'est pour rendre mon mémoire. Et ensuite j'ai un CM d'anthropologie, donc c'est tout simplement l'étude des hommes. Ensuite ce midi je mangerai avec Sacha à la maison. Cet après-midi c'est assez cool, je vais encore travailler mes cours et tout parce que ça demande forcément beaucoup de travail personnel. Et ensuite j'ai Jade, donc mon aide au devoir en fin d'après-midi. Et ce soir, comme tous les vendredis soirs, j'ai danse, je fais du rock sauté. Bref, du coup je vous emmène avec moi pour la journée et désolée de vous prendre avec une lumière aussi pourrie, mais du coup voilà, je suis sur le parking pour aller prendre le tram, les transports et aller à la fac. To the next beginning, close your eyes and pretend that you are still dreaming. It never seems to have been the past. Will things really change now? La pratique, ce n'est pas seulement l'ensemble des actes observables, donc des actions ou des réactions. Du coup il est midi, je repars de la fac, je vais reprendre comme ce matin les transports dans l'autre sens. J'ai extrêmement froid, la neige du coup ce matin a absolument pas tenu puisqu'elle s'est transformée en pluie, que là du coup il fait tout humide vraiment avec un petit vent frais. J'ai trop froid, j'ai trop hâte de rentrer, de manger chaud avec mon petit Sacha ce midi, donc go du coup dans les transports. C'est vraiment chouette parce que du coup en L3 on peut choisir notre emploi du temps, donc le vendredi à midi j'ai fini les cours et du coup ma semaine de cours est finie. Mais comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de travail personnel, donc je vais rentrer, manger, me reposer un petit peu et surtout me réchauffer, puis ensuite comme je vous ai dit, travailler mes cours, avancer sur mon mémoire, mes exposés, etc. Sacha du coup est reparti au travail et j'ai encore pas pris mon dessert, et comme il fait un petit peu froid dehors, j'ai déjà le plaid, j'aime bien être au chaud chez moi, donc j'assume, hein, je suis une petite mémé avec mon petit plaid. Et du coup comme j'avais encore pas pris de dessert, hier j'avais fait des petits cookies, donc j'en ai mis deux dans une assiette mise au micro-ondes pour les faire un petit peu réchauffer, comme ça va être tout chaud et ce sera du coup mon petit dessert pour ce midi. J'ai allumé du coup une petite bougie, je vais prendre mon dessert, passer là un tout petit peu de temps sur le téléphone et ensuite je vais me mettre à travailler cet après-midi parce que comme je vous les ai dit, j'ai dû travailler un peu pour la fac, donc voilà, il va falloir aussi s'y mettre. J'ai déjà étendu une machine d'ailleurs, j'ai fait la vaisselle aussi, du coup là je me pose 5 minutes pour manger mes petits cookies face à la bougie sous mon plaid avant de recommencer à travailler. Vous allez vous dire, depuis tout à l'heure j'ai pas bougé, je vais vous poser là, mais si entre temps du coup j'ai mangé mes petits cookies, je me suis lavé les dents d'ailleurs, j'espère que j'ai pas du dentifrice sur les coins de la bouche parce que ça c'est ma spécialité. Mais du coup entre temps j'ai chargé mon ordi et du coup j'ai pu un peu travailler comme je vous ai dit pour mes cours pour la fac. D'ailleurs ma coque elle vient de chez Amazon, souvent on me demande sur Insta, parce que d'ailleurs sur Insta je vous poste tous les jours quelque chose, n'hésitez pas d'ailleurs à venir vous abonner et discuter avec moi. Du coup je vous disais, ma coque d'ordi je l'ai trouvée sur Amazon et on me demande très très souvent, et là du coup elle fait un peu effet été,
été, plage, mer, etc. Tout le contraire du temps qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment bizarre là ce changement climatique parce qu'il y a 2-3 jours on avait 20 degrés et là vraiment d'une journée à l'autre pratiquement on perd 20 degrés puisque là il neige encore, il pleuviote, enfin on a un temps vraiment dégueulasse franchement pour pas le dire autrement. D'ailleurs j'ai vu dans les Hauts-de-France il y avait pratiquement 5 cm de neige, enfin franchement c'est incroyable d'avoir ça comme temps le 1er avril. On peut même se demander si la météo nous fait pas un poisson d'avril. Je vais faire une petite pause sur mes cours et je vais vous montrer quelques produits que j'ai finis et du coup vous donner mon avis parce que sur le marché de la cosmétique il y a vraiment énormément de choix et tout, des fois on s'y perd un peu et bien sûr je suis absolument pas la pro pour vous parler maquillage, beauté, hygiène ou quoi que ce soit, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi des fois dans les vlogs de vous dire ce que je pensais de certains produits, du coup je vais vous montrer ça. Quand j'ai étendu tout à l'heure la machine, je voulais absolument vous parler de Selenor, donc c'est un adoucissant forcément pour le linge, vous l'avez très bien compris, mais franchement je trouve qu'il tient vraiment bien sa promesse parce que du coup l'odeur elle est vraiment divine, elle tient vraiment longtemps sur les vêtements, donc je peux que vous le conseiller. Franchement avant on avait la soupline et l'odeur au bout d'un moment on la sentait plus, alors que là franchement l'odeur tient super longtemps, ça sent très très bon, donc franchement si vous devez changer d'adoucissant pour votre linge, essayez celui-ci parce que c'est vraiment une bombe. Comme je vous ai dit, je vais vous faire du coup un petit retour de certains produits que j'ai terminés, il y a certains tops et certains flops. En tout du coup j'ai 4 produits et globalement je dirais que j'ai été contente de tous les produits sauf un, donc on est parti tout de suite. Je débute tout de suite par une marque franchement que je surkiffe, c'est la marque Cottage, donc certains prononcent Cottage, d'autres Cottage, prononcez-le comme vous voulez. C'est tout simplement une gamme de gel douche et du coup comme vous le voyez vous avez différents formats avec franchement plein de variétés de senteurs. Ici le grand c'était à la guimauve et le petit c'était à la banane. Celui-ci c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert et ceux-là les grands formats je les trouve au pas de la case mais vous pouvez très bien je pense en trouver en France. Et si vous me suivez sur Insta vous allez voir franchement que je m'en sers H24. J'ai vraiment été conquise par cette marque parce que j'adore leurs produits, ça rend vraiment un film délicat et soyeux sur la peau. J'aurais du mal à vous expliquer mais franchement j'ai fini ces deux gels douches et rassurez-vous j'ai une réserve de côté parce que franchement j'ai été conquis et ces produits là franchement je les surkiffe. Me demandez pas pourquoi je suis assise par terre sachant que je pourrais m'asseoir sur mon lit juste derrière, mais voilà j'étais bien par terre du coup pour vous montrer les petits produits. Et on passe maintenant à un exfoliant, un gommage pour le corps de la marque Marionneau. Celui-ci c'est le trio exfoliant corps à l'huile de pavot. Vous allez le voir du coup au pot, je l'ai vraiment raclé et j'ai pris tous les petits morceaux qui restaient à la fin, j'en ai vraiment pas laissé de miettes. Pour moi celui-ci je suis assez mitigée, je suis quand même contente parce que vous le voyez je l'ai fini, la texture était vraiment agréable, simplement les petites graines de pavot, donc les petits grains noirs restaient sur le sol de la douche, donc c'était après pénible du coup d'y nettoyer et surtout qu'après si on n'y rinçait pas tout de suite ça séchait. Pour moi ce petit produit là faisait son job et c'est tout ce qu'on lui demande, donc voilà je suis assez contente de lui. Je vais vous parler d'un produit que je n'ai pas du tout apprécié utiliser, mais bien sûr l'avis de chacun est subjectif, c'est tout simplement un blush de la marque Clarins. Celui-ci c'est le joli blush couleur éclat longue tenue et c'est la couleur 7 Cheeky Peach. Il se présente tout simplement comme ceci, donc c'est un format qui tient facilement dans la main. On a un petit miroir du coup sur le dessus, là on a un petit pinceau biseauté comme cela et donc le blush ici et donc on peut appliquer le blush directement avec le petit pinceau qui est fourni ou alors avec un pinceau spécial pour le blush. Personnellement j'ai pas du tout apprécié l'utiliser parce que déjà j'ai trouvé qu'il se décollait extrêmement mal du coup de sa base et pour moi la promesse de la longue tenue n'est absolument pas tenue puisque au bout de quelques heures il partait et j'ai pas trouvé le rendu et l'éclat très lumineux et satisfaisant, donc pour moi celui-ci c'est un flop. On va quand même finir sur une note positive puisque ce démaquillage de la marque Yves Rocher c'est vraiment le top pour moi. C'est le démaquillant douceur au bleuet bio pour les yeux sensibles et du coup c'est la gamme pur bleuet. Je trouve qu'il élimine vraiment en douceur le maquillage en apaisant quand même le contour de l'œil et il laisse pas du tout un rendu qui tiraille la peau. Au contraire il est vraiment doux je trouve comme démaquillant. En plus de ça il est composé à 99% d'origine naturelle, donc pour moi celui-ci c'est vraiment un top, je vous le reconseille à 1000%. Je viens d'arriver juste devant chez Jade pour l'aide
devoir, du coup, toutes les semaines, je l'ai 2 jours pendant 1h30 à chaque fois. Et d'habitude, on fait le samedi, mais demain, je suis à Carrefour toute la journée. Donc voilà, on a pu décaler du coup à ce vendredi. Donc voilà, on va faire la 1h30 de devoir ensemble. En général, on fait plutôt les matières littéraires, enfin surtout en fait les langues. Donc on fait français, espagnol et anglais. Et puis des fois, on fait quand même les sciences. Enfin en fait, surtout, on fait d'abord les matières en langue et ensuite on fait les autres devoirs qu'elle a. On fait souvent de l'histoire aussi. Et là, du coup, ben, je vais voir les matières qu'elle a et c'est parti du coup pour l'aide devoir. Un pantalon. Une pantalonnaise. Ouais, une jupe. Una falda. Très bien. Est-ce que tu peux me conjuguer au présent de l'indicatif ser et estar? Je viens d'arriver du coup à la danse et forcément, bah là, je suis en tenue de ville. Donc, je vais me changer et du coup, 3, 2, 1 pour la transition pour la tenue de la danse. Tadang, du coup, petite tenue de sport, enfin vraiment très très rapide. J'ai juste un legging qui vient de chez Decathlon et là j'avais pris franchement le premier t-shirt qui est venu, c'est un t-shirt de Sacha et du coup il manquera plus qu'à mettre les petits chaussons de danse. Bon, ils sont un petit peu moches mais du coup pour le rock sauter c'est ce qu'il faut et du coup voilà, il me reste plus qu'à les enfiler et je vais à la danse. Du coup je suis rentrée de la danse, là je suis passée récupérer Sacha à l'appartement parce que du coup mon père nous a invités pour manger ce soir, donc voilà, vous aurez passé une petite journée avec moi, un petit vendredi avec moi. Je suis en train de remettre mes boucles d'oreilles du coup que j'avais enlevées forcément pour la danse. Là on va passer une petite soirée en famille tranquillou, donc je vais vous laisser là parce que forcément je vais pas vous emmener chez mon père, donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.